L'Afrique, terre de risques et d'opportunités, c'est autour de ce thème que s'est tenue le jeudi 15 juin la 4e édition des rencontres africaines du management des risques à Abidjan. Cette rencontre a combiné des sessions plénières avec des orateurs de très grande qualité, entre autres des chefs d'entreprise, des dirigeants d'entreprises publiques et risk managers, des universitaires, des professionnels d'envergure. Plusieurs ateliers, conférences, véritable occasion de réflexion, d'échange et de diffusion des bonnes pratiques du risque management. De toute manière, tous les pays sont des pays de risques et opportunités. Mais l'Afrique essentiellement, c'est un grand pays qui a beaucoup de richesses. Richesses donc au niveau de son sol, de son sous-sol, mais également de sa population. Donc, comme vous le savez, ça devient le continent qui en fait alimente l'ensemble des pays développés sur leur au niveau des ressources naturelles. À travers ce thème, le réseau ivoirien de management des risques et des assurances de l'entreprise veut mettre l'accent sur la pléthore d'opportunités auxquelles les Africains ont accès, tout en mettant en parallèle les risques. Le thème l'indique très bien. Cette année, nous avons fait le choix de parler de l'Afrique en termes de risques et d'opportunités. Nous disons que l'Afrique est une terre de risques, c'est vrai, mais les opportunités dont regorge l'Afrique sont importantes par rapport aux risques auxquels nous sommes exposés. Et selon moi, l'Afrique est un bon risque. Le réseau ivoirien de management des risques et des assurances de l'entreprise démontre son engagement vers la promotion de la gestion des risques et son rôle catalyseur pour le partage d'expertise et la création de synergies entre les acteurs du secteur. Le réseau existe depuis 2016 et regroupe les professionnels de référence des métiers du risque et des assurances en entreprise.